Au Burundi, la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana, a annoncé la libération des trois adolescentes incarcérées pour avoir altéré l'image du président dans les manuels scolaires. La ministre a souligné que les filles avaient été libérées à titre provisoire, ajoutant que tout comportement ultérieur de cette nature entraînerait des poursuites. Elle a appelé les parents à renforcer l'éducation de leurs enfants. Nous rappelons aux enfants qu'ils doivent respecter les autorités, que la responsabilité pénale est fixée à 15 ans. La prochaine fois, la justice mettra fin à de tels comportements, a-t-elle mis en garde. Les trois écolières étaient passibles d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans après avoir été arrêtées et détenues pour avoir altéré les photos du président Nkurunziza. Les filles, qui ont toutes moins de 18 ans, ont été arrêtées le 12 mars avec 4 autres étudiants, dont 3 filles et un garçon de 13 ans, qui ont ensuite été relaxés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. La détention de ces filles avait conduit à une campagne dans les réseaux sociaux sous le hashtag « Free Our Girls ».